pas mal. On laisse un peu plus le son du jeu, voilà, on est bien. Re brave Jean peut-être. Rien n'est moins sûr. Oh, très bien. Quand il dit qu'il est plus avec sa copine, elle est partie. Non, elle est allée en Espagne. Elle est en voyage. Elle s'amuse. She's having fun. Voilà. Ne croyez pas que je me sépare de mes meufs toutes les tous les 4 dimanches. Oui, c'est vrai, les permissions. Dude. Allons-y. Allez, petite blinde. Balatro aujourd'hui, YouTube. Ouh, ça commence ça, c'est sexy. Ça commence sec cette histoire là. Allez. Ok, Babounenov. Balatro. Un chfoul. Alors pour ceux qui savent pas, en fait, je me demande si c'est pas dangereux de dire ça sur Twitch. Pour ceux qui savent pas ce que chfoul veut dire. C'était une insulte de quand j'étais très jeune, genre au collège, hein, c'est l'équivalent de Golemon, si tu veux. Et à ce jour, son interprétation est libre. Voilà. Donc il y a les foules, full house, mais c'est chfoul. Voilà, moi je le dis comme ça. J'ai envie de vomir là, mais du calme, du calme. Salut YouTube, ma vie plus sexe, oui, exactement. Je crois que l'insulte est la même que Falafel, donc en vrai, il faudrait pas que je la fasse. Plutôt carte haute. On joue carte haute, YouTube. On joue carte haute. Carte haute, c'est le risque. Hein. Récréer des suites avec des écarts de valeur, des stockages, tous les rabais, j'aurais dû prendre ça en premier, en vrai. Celestial. Carte haute. Carte haute. D'accord, c'est quand même dangereux. Carte haute, c'est quand même dangereux. Full. On est bien. Ok, 8$. Toujours pas assez pour le voucher. Multiplus 20 si la main contient un carré. 2$ par défaut si aucune défausse n'est utilisée avant la main de la, avant la fin de la manche. C'est un peu dangereux, mais il nous faut de là. Il nous faut du bling. Toutes les cartes carreaux perdent leur bonus. Ok, pas de problème, monsieur le juge. Ça oui. Moins 1 la mise initiale et moins 1 main par manche. Ça me ramène. Ça me donne un peu plus de temps. Le truc, en fait, j'ai une question. Est-ce que hiéroglyphe, moins 1 la mise initiale et moins 1 par manche, est-ce que ça baisse la valeur de la manche finale ou est-ce que ça me retarde dans le jeu? On remarque que ça me laisse peut-être plus le temps de gérer. Ça te retarde. Ça vaut la peine. Allez, on va le prendre. On va le prendre. On va se donner plus l'occasion d'avoir des shops. Magasin possède un joker polychrome. C'est tentant. Mais en même temps, on a ça qui nous permet de gagner de l'argent. Donc on va le jouer ça. Il manque un 6. Un 6, 7. Carte haute. Double paire.
Carte haute a rapporté plus de points. Il me reste une main. Ah, il faut pas que je meure. Putain, je vais être obligé de défausser. Ah. D'intérêt, c'est pas beaucoup. Ah mais c'est moins une main, d'accord, je viens de comprendre. J'ai donc moins une main pour faire des points en fait, donc c'était très désavantageux de faire ça. Attends, reroll. Reroll. J'y crois pas en fait. J'y crois pas à cette run. Ok, normalement, le prochain magasin commence à zéro. C'est pas mal, ça, c'est de l'économie, mais en vrai, ça le fait pas. Voyons voir. Ok. Voilà, main pleine permet d'atteindre 10 dollars. Absolument essentiel. Carte brillante, ok, d'accord. Quand une tarte à rose, si la main de poker contient un as et une suite. Comment ça, un as et une suite? C'est chaud. On va l'acheter, de toute façon, il nous faut des choses. Il faut la suite haute ou la suite basse, hein. Sun. Petit 3-4 pour les changer en cœur. Rien de très fifou quand même, hein. Double toutes les probabilités. Cinq cartes doivent être jouées, super. Trop con. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a l'air d'être... On est un peu dans la bite, là. Eh oui, je suis un trop con. J'ai refait la même erreur, exactement. Bon, j'y suis pas. Hein. J'y suis pas, de toute façon. On n'y est pas. Je me suis fait baiser mentalement. Alors, après avoir tué la blinde boss, gagne 15$. Merci, ça, on va la passer, la blinde, du coup. Allons-y. 15$, ça nous lancerait. Ok, très bien.
dégueulasse. Enfin. Il manque la reine, dommage. Reine de carreau et on aurait eu la quinte flush de... Non, la quinte flush de notre vie. Non, pardon, valet de carreau et on aurait eu la quinte flush de notre vie. Quinte flush royale en plus. Ça aurait été incroyable. $8 si la main jouée déclenche la capacité blind boss. Non, ça c'est super fort. Ça c'est très tentant, mais ça c'est super fort. Toutes les cartes trèfle perdent leur bonus. Après. Là, à chaque fois, j'aurais gagné $8. Putain, c'était vraiment, vraiment fort. Hein. $8, c'est un scam. Ah. Si la main jouée contient une paire, ça nous sauve. Les paquets célestes contiennent toujours la carte planète porte main de poker la plus jouée. C'est fort ça. Sans score minimum. Ok, allons-y. Au moins s'il y a une paire, multiplus 8. Donc ça, ça va être déjà un peu plus généreux, je pense. On sait qu'une double paire, histoire de se mettre bien. Voilà, d'accord, au moins. Ok, d'accord, ok. Petite couleur. Que ça marche avec un full. Oui, ça marche. Ok. Gagner $3 de la valeur de vente à la fin de la manche. Ça veut dire quoi ça, $3 de la valeur de vente? Copie les capacités du joker sur la droite, ça a l'air fort. Blueprint. Je sais pas ce que ça veut dire. Il scale à la vente. D'accord. Et j'ai une question. Si je le copie avec Blueprint, ça va augmenter le prix de Blueprint. Donc c'est de la merde. C'est pour le vendre plus tard et faire beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup, ça a l'air à chier.
il faut que j'ouvre avec le brelant au minimum parce que sinon on va se faire baiser. Double paire. En vrai, il me faut du fric. Main de la carte est tirée face cachée. On s'en chie au secours! Faut qu'on joue plus le brelan, sinon on va se retrouver constamment avec des mains pleines. Et mains pleines, c'est pas un truc qu'on peut garantir, alors que branlette, ce sera beaucoup plus facile à gérer dans le futur si on joue bien. 8$. Jetons par carte carreau défaussé, la couleur change à chaque manche. Ah! Quoi, attends, il va falloir jouer intelligemment du coup. Il va falloir bouger le blueprint à chaque fois. Premier tour, on reste là pour doubler le nombre de cartes qu'on a. On n'a pas à changer nos nombres de cartes, de rien du tout, de rien de quoi que ce soit. Mais j'aimerais démultiplier des rois et des rois et des rois. Voilà. Maintenant, on bouge ça. Là, c'est combien des carreaux? J'ai pas envie de défausser des carreaux. Je vais jouer une couleur plutôt. Je peux pas jouer de couleur. Je peux pas jouer de couleur. Double paire. Double paire. Non. On va défausser. Attends. L'œuf. Voilà. Merci. Alors, on va défausser. On défausse. Et il a copié les jetons. Ah, c'est quand je joue qu'il me fait plus de d'accord. D'accord, d'accord. C'est quand il joue qu'il rajoute les jetons. Ok, je vois. D'accord, bon, tant pis, ça marche pas. Fausse. Ah voilà, super. Je vais faire un brelant. Sauf là, ce serait un peu risqué. On commence à... On a encore plein de quoi jouer. Enfin, aussi. Voilà, pas mal. Petit carré. Chier côté scale. J'ai envie de faire de l'argent, mais on va le garder. Quoique si, parce que ça nous fait des intérêts. On va le vendre. 4200. C'est bien joué quand il y a une paire. Je me demande si une couleur à paire ça marche. On va voir. Hein. Ouais, ça marche. Ok, nice.
omelette. Ça devrait aller, hein. Voilà, petite branlette, on a les points, ok. Bon, par contre, on en chie, il nous faut quelque chose, là, parce que ça a commencé à devenir pas possible. Plus 100 jetons, ça a une suite, plus 5 à la taille de la main, mais ce nombre est réduit de 1 à chaque manche. Alors par contre, ça remonte jamais. Alors question, si je l'enlève, si je l'achète puis que je le revends, ça marche ou... C'est-à-dire ça augmente la taille de ma main directe, c'est-à-dire je revends le haricot direct, ou le fait de ne pas l'avoir en main... Ah, 0 il disparaît, donc c'est de la merde en fait. Chier. Top, mais on verra bien. On va jouer les intérêts, hein. Là-dedans, perdez 1$ par carte jouée. Putain, ça y est, on est pauvre. Barely scraping by, hein. Barely scraping fucking by. La suite, sale sac, désolé. J'avais jamais vu la suite. Augmente le plafond des intérêts perçus par manche de 10$. Oh. Ah, et c'est en mode full jouer en fait. D'accord. On prend, hein. Possède un joker négatif. Et 9000, je l'ai pas. Hein. Enfin, on va essayer. Avec une paire dedans pour le bonus multiplicateur. Waouh, chaud, hein.
top. Ça sent la mort. Ça sent la mort. Un carré. Pas mal. Manquons d'argent. Les ajouts aux 3 plus 20 jetons et plus 4 multi en marquant des points. C'est très avantageux. Et la branlette. Il faudrait cloner, pas les rois mais les as. Carré de roi, c'est pas dégueulasse. On peut même vider ce 3 à la nulle. Ok, cool. J'ai un cheval là, mais je suis pas sûr. On verra bien. Ajoute un dollar à valeur de vente de chaque carte joker et carte consommable à la fin de manche. C'est bien, mais ça nous intéresse pas. Il fait rien, j'ai pas l'argent. ...11 000, putain, je passerai pas. On reste sur les kings plutôt, hein. Plutôt que les as. Hein. On reste sur les kings. Allez, on reste sur les kings, on prend pas le risque. Les as, quand ça arrive, on est heureux. Mais sinon... Voilà, carré droit. Annette. Avec l'argent là. 2 dollars par défaut si aucune défausse n'est utilisée à la fin de cette manche. C'est tentant, putain. On garde l'argent. 16 000, putain, on n'y arrivera jamais. Oh. Bon, une couleur, mais il y a le multi parce qu'il y a le bonus. Ah merde. Non, pas couleur du coup, attends. On peut faire un carré plutôt que la couleur. Ah non, je peux faire un brelan, merde. ...250. Avec 10, 10, donc 80.
80 x 5, 400. Bonus, plus 8. Donc c'est 80 x 13. À peu près 1000. X 2, 2000. X 4, 4000. Des fausses pour avoir des rois, t'en as plein. Ouais. You're right. Ok. Voilà. Pas mal. Sur les culs. On a 7 cartes pour créer une carte de badge double gratuite. Ouais. Les cartes jouées de valeur impair ou 3-30 jetons lorsqu'elles marquent des points. As. Non, c'est... Ouais, mais je peux pas en acheter parce que ça baisse mon multiplicateur et en vrai. x6. Est-ce que x6 c'est plus avantageux que multiplus 8, tu vois? x9, pas x6. Ah oui! Ouais, je pense que je vais vendre le Joker des Pères, je suis d'accord avec vous. Faire un booster Arcana, voir ce qu'on peut booster. Main pleine, je m'en sers tout le temps, donc renforçons le budget. Je vais pas dépenser plus après ça. Black Hole augmente tout de 1 plus 1. Ok, bah je valide. Merci. La luck. Ok. L'eau, commencer sans aucune défausse. C'est ce que je peux faire de plus fort là actuellement. Pas mal. Chaque charge jouée compte dans l'attribution des points. Ça permettrait à l'as de toujours booster un peu mon score. Est-ce que je garde l'argent? Ah bah non, parce que ouais. Je peux avoir 6 jokers, ouais je sais. Mais moins il y en a, plus j'ai un multiplicateur là en fait. Donc ça ultimement faudra s'en débarrasser aussi. Hein. T'aurais dû créer des as. Bah oui je sais, mais ça il faudra s'en débarrasser lui aussi. Hein. Pour un multiplicateur x5, x25, ce serait très fort. Double l'argent. Oh, ça soulage. Négatif prend pas de place, c'est vrai. Donc c'est ça qu'il faudra virer. Pour avoir un x4. Ou x16. x16 de multiplicateur, c'est assez sale en vrai. Si d'ailleurs on a un bon build de planète, on peut faire des choses.
I look out. Sherlock, la suite. Toutes les cartes sont considérées comme des cartes figures. Ça peut être très 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 fort, mais là j'ai pas d'intérêt réel. Carte spectrale par contre, let's go. Un saut bleu et une carte sélectionnée de votre main. Une carte planète si vous l'avez à la fin de la main. Un saut rouge. Déclenche à nouveau cette carte une fois. Je gratte pour voir s'il n'y a pas un roi qui traîne. Tant pis. 30 000. Le magasin possède un joker négatif. 5 cartes doivent être jouées. 40 000. Mais joker négatif, pour moi, c'est ce qu'il faut. On n'a pas le choix. Je suis obligé de faire la première main de la manche. D'accord, donc je peux défausser, on est d'accord hein. Voilà. Ouais, c'est bon, il continue de pulser comme ça, ok, on va continuer à faire des pics. Continue de faire des pics. Tant pis si c'est des pics à vie. Ça compte pas. Ça n'a pas compté. D'accord, l'ADN ne fonctionnera pas. Ok, bon. Nous avons appris notre leçon. Nous ne pouvions pas savoir. On va jouer une couleur, là, on va se calmer très vite, très fort. Voilà, 5 cartes doivent être jouées. Ok. Ça suffira pas, c'est la mort. Peut-être passer avec ça. Ça passe, putain. Un multi pour chaque planète utilisée. Le fait qu'il est un peu gratuit, c'est... Enfin, pas gratuit, mais le fait qu'il est... Il est... Ah merde, mais du coup je perds. Ah bah non, il est négatif donc il coûte rien en place. Ok, cool. Ah putain. C'est une carte, n'est-ce pas? Ok. C'est un joker brillant, on s'en fout. Allez, 52 000.
nice. Dommage, mais c'est pas grave, on en a gagné une quand même. Ça reste rentable. Je me demande si ça suffit en vrai. Attends, avant de gagner... Je me demande si un carré suffit. Est-ce qu'un bête carré suffit, vous pensez? Flush 5, ok. Dommage. Gagner 1$ à la fin de la manche, ou 3-2$ lorsque le blind boss est vaincu. C'est sympa. Gagner 3$ pour chaque carte 5, carte 5 défaussée. C'est fort ça aussi, mais bon. Méga standard pack, aiguisage. Yep, non, j'ai rien à dire. Je les débloque. Pour ceux qui se demandent ce que je fais. Ne jouez qu'une main. On va pas se faire piéger pour le clonage, hein. $2 par défaut si aucune est utilisée. Déclenche à nouveau toutes les cartes jouées pour les 10 prochaines mains. On n'y est pas. Choisissez parmi plein de jokers. Les piques. J'ai pas plein de rois de piques, en vrai. 4 multi, c'est intéressant, mais le problème c'est que ça, là, ça baisse ça. Non découvert plus utile, enfin, apparemment jouer moins 1 par défaut. Ah! Ça peut être fort ça. Il veut si la main jouée contient un carré. That's actually strong. Joker peu commun ajoute 1 plus 5 au multi. Rare, ça compte comme peu commun? Non, dommage. Parce que. Prends pique et lâche le pochoir, t'as craqué pour Wadarki. Écoute, prendre ça et on va le vendre. Ermite double l'argent, intéressant. 2 cartes planète aléatoires. Deux cartes sélectionnées, tout l'argent. Quoi qu'on est à la mise initiale finale en fait. Plus de mult. Octroie un paquet spectral. Et max.
tenue, elle a tenu. Dieu merci. Michel, c'est pas dit, hein. Parce qu'il y a x3, donc c'est x9. 45, non, x9. Enlève l'ADN. Mais si j'enlève l'ADN, je passe à x16, frère. Hein. Je pense pas que ce soit rentable, Michel. Hein. Ah, ouh. Je vends l'ADN, vous croyez? Vous êtes sûr? J'achète, mais c'est pour le moment. Allez, sans utiliser les cartes vertes, parce que je les crains un petit peu, je dois l'admettre. Quoique, attends, j'ai peur que la carte verte ne suffise pas. Sans la carte verte, ça ne suffise pas. Je vais balancer ça. On va voir. Oui, d'accord. Bon, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. J'aurais bien voulu l'avoir tôt, lui. Perdent leur bonus jusqu'à ce qu'un joker soit vendu. J'aurais dû check. Ouais, tant pis pour les as, mais le sacrifice est facile. J'ai vu à où j'arrive. Oui, je sais, j'ai fait exprès de vendre le négatif des As. Mais ces deux-là sont trop fortes. Ok, c'est le boss de fin. Là, normalement, Balatro. Hein. Balatro. Balatro. Pierre, deux jetons pour chaque dollar possédé. Un emplacement de consommable. Ça vaut la peine. Arcana. On va voir. Des carreaux. Jugement, joker et des cœurs. Ouais, pour un cœur. Qu'est-ce que c'est? Créer une carte de tarot si la main est jouée avec 3 dollars ou moins. Merci. Balatro. Reprise de lettre.
Reprise de la dé. L'ADN. L'ADN. Alors, je vois pas pourquoi on prendrait ça en fait. Ce serait très désavantageux. Créer deux copies d'une carte sélectionnée de notre main. Détruis 5 cartes aléatoires en main et gagner 20$. Après, c'est vrai que ça ferait du ménage. Faudrait juste pas que ça pète ça, mais j'ai peu de chance que ça arrive. Après, on peut juste floude. Hein. C'est mieux de détruire, je pense aussi. Allez. Aïe, 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 la DN. Y'a rien qui rattrape toutes ces erreurs de ma part. Rien du tout. J'ai toujours la 4 constellation. Casse pas. Ça va casser. Si c'est un carré et blablabla, hop, tac. Jetons de base et le multi se réduit de moitié. Shit. Fois 22, 225 fois 21, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, mais ça me donne l'occasion potentiellement dans le futur de faire un autre flush 5 avec d'autres cartes en vert et des piques. On sait jamais. Je joue stratégie. Balatron. La run est belle, la run est belle. Chaque carte jouée avec une couleur de carreau 3 fois 25 au multi, et malheureusement c'est au pif. Plus un emplacement de cartes disponible dans le magasin, c'est acheté. Plus qu'un lorsqu'il y a 0 défausse restante, méga arcana pack. Arcana Vivo Manifest. Planète X, non. Crée jusqu'à 2 cartes planète aléatoires. Crée jusqu'à 2 cartes tarot aléatoires. Ah merde, oui je voulais, d'accord, c'est ma faute.
Pas le choix, tu me diras, c'est très bien. Ok, c'est pas grave. On a plein de multi en plus. Eh, ça valait la peine. Je trouve ça valait la peine. 560 000. Là, ça bat la pas. Ça bat la pas du tout, là. Ça bat la plus du tout. Ça va là. Vampire. Ça pourrait être très fort, ça. Genre, si t'as un run avec le masque d'or et toutes les cartes sont considérées comme des habillés, c'est x1 de multi à chaque play. Ça peut être très très fort. Ça peut être très 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 fort. Donc. Multi x4. Ah non, mais c'est que quand pour la sixième. Ah d'accord, je vois. Ok. On a 840 000, il va falloir mettre les bouchées triples. On va voir un petit peu quel est notre pot d'air maximal. C'est le mieux qu'on puisse faire. Literally. What is our maximum pot d'air? 4 millions. That's what we can do. Et 2 millions avec 4 cartes vertes. 1 million avec 3. 1, 3, 4, 2, 5, 4. Ok. Joker possédé, joker joyeux, non découvert. Joker. Jouer carte haute, mais à zéro. Certes, mais, hear me out. Un million. Quatre cartes comme ça, c'est 4 millions. Mais, même si on perd tout l'argent, l'idée de pouvoir... Comment dire ? Ah. Non, il ne faut pas qu'on perde tout notre argent, en vrai. Normalement, 3 cartes comme ça, ça suffit. Hein. 2, c'est 1 million, ça nous met. On peut éviter de prendre trop de risques. $800 000, d'accord. Et on en a cassé une.
balance un carré. Le carré de la sécurité. Afin d'éviter de jouer le plus de cartes en vert possible. That should be enough, right? Yes. Good. Normalement, coûte 2$ moins cher. Ça a l'air très fort, ça, sur le long terme. Jugement. Joker abstrait. 5$ s'il y a des bonus. On aurait pu avoir un truc cool. Actually, yeah, I'm okay with this. $7,000,000. Ah, ah oui. Mehmet, mon fils, il va falloir voler de ses propres ailes. Mehmet, mon fils, il est temps. C'est la mort. Tant pis. On était pas mal, on était pas mal. Bon, en vrai, nous n'y étions pas. Mais c'était une très belle run. Je suis plutôt fier de nous. Je suis plutôt fier de nous. Alors, voyons voir. Au moins 5 cartes vertes dans votre vœu pour chaque carte verte détruite. Ça, c'est cool, ça. Gagnez au moins 1,000,000 de jetons. Chaque as de pique joué ou 3x2 en multi. La carte change à chaque manche. Ah, ça va être très fort. Coupon boule de cristal et 2 copies de Le Mat. Okay. Le plug anal. Les cartes jouées avec pique octroient des jetons en marquant des points. Ok. Carte planète de votre zone consommable 1x5 au multi pour leur main de poker spécifique. Ça pourrait être très fort, ça aussi. Mais il lui suce la bite. Incroyable. Incroyable. Balatro. Alors, voyons voir. Mon chéri, je sais que tu joues. Ah, pardon, excusez-moi. Brave Jean, j'ai le plaisir de vous dire qu'il est minuit. On a fait une run de Balatro avec succès. On a joué à Astral Ascent. On s'est, somme toute, bien amusé. Cette nuit, il faut que je fasse les screens et la préparation de réparation pour... Comment ça s'appelle ? Pour les Gnerif, pour qu'ils puissent réparer... Starfield. Et il y aura Dragon Dogma 2 qui sort dans 50 minutes. Vous irez sans doute chez les gens. On m'a aussi envoyé... Ah ! Merci Elise qui me donne une clé pour Dragon's Dogma sur PS5. Ce dont je me
Ballaras. Parce que malheureusement, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Mais la clé est fantastique. Pyrolène, est-ce que t'as une PS5? Voilà, tant qu'à faire. Hein. Non, tant pis. PTDR. Regarde les channels des modos, il y a des gens que ça intéresse. Ok, 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 fair enough. On va récompenser les gens qui nous rendent service depuis ce temps. On vous fait des gros bisous, je vous remercie. Demain soir, sans doute du Dragon's Dogma 2, pour le plaisir. Si vous avez des idées de personnages, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien faire un perso moche, mais pas trop. En fait, faut qu'il ait du charisme. Peut-être du grit. On fera les choses. Dans tous les cas, voilà. Je vous aime. Je vous fais des bisous. Le Gly Bastard encore, bien sûr. Depardieu, imbloquable. T'as vu les persos de JDG? La grand-mère de Fred, elle est fantastique. Je suis refait par la grand-mère de Fred. Voilà. Sur ce, des bisous. Attendez, bougez pas, je vous envoie en raid quelque part. On va bien voir. Qui trémousse son Fia Caster? Alors, toujours Yeo Hull, ça trémousse. Il y a Squeezie. Il y a Rebeu des Terres. Miss Sweetness qui joue à Dragon's Dogma. Il y a Morkpie, fait voir Morkpie. Ouais, bien-être et santé, hein. Putain. Non, mais sans déconner. Au secours. Il y a Mathieu Sommet, c'est vrai. Il y a AlphaCast qui est sur Dragon's Dogma déjà. Je sais pas à quoi il joue. Banisher Ghost of New Eden. Ah ouais, il est sur les OPSP à donf. Il y a Kameto. Oh mais on va. Vous avez raison. Voilà. On va respecter. Brave gens, je vous aime, je vous fais des bisous. Je vais manger. Bon jeudi soir à vous. Demain, Dragon's Dogma, on y croit. Allez, zou.